Messieurs, dames, les casmas YouTube, j'espère que vous allez bien. Alex, j'espère que tu vas bien. Ça va. De retour, messieurs, dames, en compagnie de Twitch, bien entendu, d'une compagnie fort aimable, ma foi. Et aujourd'hui, il fallait qu'on aille voir les légendaires. Oui. Donc on avait deux directions totalement différentes. Oui. Toi, tu devais aller où déjà? Toi, tu devais aller à la tour. Ouais, c'est juste à côté. Ah oui, d'accord. Donc, démerde-toi. Moi, il faut que j'aille là. Lui, bah non, tu dois aller à Rosalia, toi. Non, non, Tour Carillon, ils m'ont dit. Oh, la Tour Carillon. C'est là. Eh ben, tu attendras 30 secondes. 30 minutes. Ah bah, j'attends. Tu attendras que j'arrive. Parce que, moi, s'il vous plaît. C'est juste ici. Heureusement. Dans la même ville. Heureusement, on avait nettoyé les mers. Donc, techniquement, il n'y aura pas de dresseur. En plus de ça, j'ai des super repousses, donc ça va y aller. J'ai siphon, donc ça va y aller. Mais tu vas attendre, hein. Surtout que je sais même pas. Mec, moi où je suis, il y a 4 grottes. Je sais même pas où est l'entrée. Démerde-toi. Mais mec, en fait, je vais vivre une aventure en solo. Non, mais clairement, je sais pas. C'est où il y a les siphons? Oui, mais il y a des siphons partout. C'est ça l'arnaque. Il y a 4 grottes où je suis. Ah, mais oui, mais la grotte de Lugia, elle est easy, me semble. C'est pas une question qu'elle soit pas easy, c'est où juste... qu'il faut... Ils t'ont dit au tourbille. Hein. Oui, mais je suis au tourbille. Ok. Mais il y a 4 îles. C'est une zone en fait où t'as 4 îles. Donc soit j'ai de la chance, il y a 4 entrées. Ouais. Soit non. Essaye d'avancer toi aussi de ton côté, comme ça on essaie d'arriver à peu près en même temps. Oh merde, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. C'est le mal. Je ne vois rien. Je ne vois rien. J'ai vu qu'il y avait une échelle. Il y a de l'eau juste là. En plus, toi, c'est éclaté parce qu'en fait, c'est juste une tour. Et un légendaire. Moi, j'ai... C'est le badge de Rosalia. Moi, j'ai tout le reste. Cela ne suffira pas pour accomplir la prophétie. Oh, y a un arbre. Venez à moins passer. Je vous en prie. Y a un arbre où je suis. Il y a des... Oh, une Pokéball. C'est une hyperbole. Alors, si ça se trouve, en fait, toutes les grandes mènent à Rome. Hein. Y a des chances. Non, je sais pas. Par contre, je veux bien de la lumière, s'il vous plaît. Hein. Chez moi, c'est... Le sentier Carillon. C'est très joli. L'enfer, j'ai ma manette qui a lâché. C'est vraiment joli. Ouais, mais on était déjà venu, on rappelle. C'est le poïpoïsme. Mec, je suis perdu. Je vois que dalle. Putain. Mais pourquoi moi j'ai ça? Mais pourquoi moi j'ai pas de bol comme ça en fait? Eh, je cherche même pas. Je vais juste au bout du... Ah super. Ah super. C'est... L'art sensible. Mais quel bâtard, lui ça se passe! Tu l'as enfin trouvé! Je t'en prie, passe! Eh bah super. Eh bah j'espère que tu vas bien galérer ta race. Hein, pendant que moi j'ai rien. Ah, j'ai un escalier. Ah, une échelle pour monter. Ah, mec, je suis tellement perdu. Bah j'ai plus hypnose. Ah, t'as quand même un challenge. Il faut utiliser Flash. Ouais, mais le problème c'est que si j'utilise Flash, je vais y voir oui, mais je vais devoir niquer une technique d'un Pokémon, ça m'emmerde un peu. T'as pas un Pokémon avec Flash? Non. Non, non, mais t'inquiète, je vais me retrouver. Hein. Ah, en vrai, c'est chiant, je vois rien. Non, attends, je vais utiliser Flash. Ok. Ça va. Vous avez gagné. Je vais flasher. Parce qu'en vrai, j'ai 30 Pokémon qui peuvent apprendre Flash en plus. C'est pas une CS, Flash? Si. C'est non, c'est une CT. C'est une CT? C'est une CT. Ah, je viens d'apprendre que c'était une CT. Je pensais que c'était une CS. Fantominus. Ah, mais voilà, j'ai que Moite-Moite qui peut l'apprendre. Et Moite-Moite, du coup, je vais lui niquer une technique pour ça. Ça m'emmerde. Enfin, en vrai, j'utilise pas tout, mais... Lanceur concentre sa puissance pour sa prochaine attaque. Ça, je garde. Oh. En plus, tu dois supprimer une technique de Farampe. Bah, c'est ça. Cage éclair. Hein. Non, parce que c'est pratique, ça me permet de para, quand même. Bah, sinon, quitte et va chercher un autre Pokémon. Non, flemme. Moi, je joue jusqu'au bout. C'est pas grave, je la désapprendrai, puis... Je suis autrement. Bonsoir aux Casmas qui nous rejoignent, bienvenue. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en retard, il n'y a pas de problème. On a commencé depuis 5 bonnes minutes. En vrai, ça va. Vous êtes là comme il faut. Flash ! En vrai, ça va. Ça y est ! Oula ! On y voit. D'accord. Et j'ai une sortie. Oh, j'ai trouvé un super bumbo. Un super bumbo. C'est un bonbon de kebabier. Ok, donc j'ai trouvé une grotte qui mène à une autre grotte, mais j'ai pas trouvé le chemin. Le chemin final. Alors, en fait, le problème, c'est que vu que je me suis un peu paumé dans le noir, si ça se trouve, j'avais la bonne grotte. Et donc, il y en a des objets ici. Eh bien, écoute, on va retenter autrement. Hein.
problème, c'est que je vais peut-être pas avoir assez de repousse, donc on va faire ça doucement. Hein. Je comprends pas. Au moins cette fois, j'y vois quelque chose. Comment le level design est fait, donc. Toi, c'est en vélo, non? Bah non, j'ai des genres de petites plateformes où je dois sauter. Alors attends, moi je viens d'où? Moi j'ai été voir la grotte en haut à gauche et je suis arrivé en bas à droite. Donc il faut que je redescende encore. Moi je suis pas rendu. Hein. Ah! J'ai fait tomber le support! Ah! Je me suis dit, ah il bouge chaque âme, je vais en faire autant, mais en fait non. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'est bon, honte à toi. Honte à toi. Ok. Ainsi font les petites marionnettes, tout ça. Quel rêve de Ninjaksu? La rêve de Ninjaksu. C'est qui Ninjaksu? Je sais pas. Du tout. C'est pas qui Ninjaksu. Ah, attends. Inconnu au bataillon. Exactement. Sûrement une légende dans le game Pokémon, mais pour nous c'est un nom. Dans le Pokégame. Dans le Pokégame. Ah non, pardon, j'avais été en bas à gauche. Donc en bas à gauche, ça mène à en bas à droite. Alors attends. Du coup, on va aller voir Hunter. On va pénétrer Outremer. Ah, mais Ninjaksu, c'est pas un Pokémon? Non, c'est Ninjask. Ah, Ninjask, c'est ça, je confondais avec Ninjask. C'est ça. Oh, super bon mot. Oh non, je suis du... Ah non, c'est bon. J'allais dire, je me suis gouré de siphon. Ah, toi aussi, tu trouves des super bonbons? Oui. Comment ça? Par contre, tu m'attendras, parce que du coup, on va faire... Je suis paumé. Non, mais on va faire la compétition pour le capturer le plus vite. Eh, viens, on met un défi sur la table. Allez, ah, t'es pas joueur! Tu veux quoi? Je sais pas, mais on met un défi sur la table. J'ai pas d'idée. Eh ben, la prochaine fois qu'on mange dehors, l'autre paye la part de l'autre. Ah, mais ça dépend du resto. Si je tombe sur un truc de ouf, je fais quoi, moi? Non, en vrai, un truc raisonnable. La dernière fois, par exemple, j'ai payé les pizzas, mec, ça va. C'est ce que je veux dire. Non, je te dis pas. Si on va au restaurant Château du Mât, tu payes ma part plus la bouteille. Hein, 170 euros la bouteille uniquement. Bon, juste ça, tu vois. Si tu connaissais Ninjaksu, je t'aurais filé un sub. Ah, c'est dommage. Triste vie que celle-ci. Écoute, je n'ai aucun regret. Par contre, sache quelque chose, c'est qu'actuellement, nous en sommes à 61 subs. Et que pour les 100 subs... À 62 subs, il y a le jacuzzi, quand même. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah, 62 subs, en plus. On était à un sub du jacuzzi, malheureusement. Ah là, c'est tout. Et à 63 subs, t'avais même le droit de venir toi, tu vois, c'est con. Hein. Ouais, c'est bête. C'est dommage, c'est bête. Meilleure chance la prochaine fois. C'est hein. Malheureux. Mais écoute, t'es passé à côté, c'était une offre unique, tant pis. Voilà, ne reprenez changé. C'est ça. Bête, hein. Alors, je pense que je suis dans la grotte qu'il faut. Ouais, bah la vie, c'est très con, hein, moi je suis d'accord. Le peuple réclame le jacuzzi. Mais le jacuzzi, t'inquiète pas, il va avoir lieu. Le jacuzzi, on vous l'a promis. Au 62 subs. Ah, c'est-à-dire qu'il y aura un jacuzzi pour tout le monde, sauf pour Ronco. Et c'est pas de m'amadouer. On ne t'essaye pas de t'amadouer. Tu t'amadouces tout seul. L'offre était unique, tu l'as perdue, tant pis. Ah non! Non, l'effet des repousses a disparu. Et je me fais attaquer par des crabis dans le noir. Bah dis donc, c'est dégueulasse. Bah des crabis dans le noir. Crabis? Bah des crabis dans le... Ah d'accord. Oui, parce qu'il fait noir. Ah d'accord. Aïe 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 aïe, Camporo. Ah mais toi en fait t'as même pas besoin du vélo, moi j'étais en mode t'as besoin du vélo, mais non. Je fais des tours depuis tout à l'heure, je comprends rien. C'est automatique ton bail là. Il y a Célesta qui m'appelle. Je suis sûr elle veut me parler de sa serpillère encore. Oh, mec, je suis tellement perdu. Par contre, grave bien, genre les trois quarts des trucs mènent à un objet dans un caillou. Ah c'est pareil pour moi. En fait je pense que n'importe quelle grotte que tu prends, te permet d'accéder à Lugia. Faut juste bien tomber. Normalement, faut que je réfléchisse comment vraiment monter. Ben moi pareil. Faut que j'arrive à aller assez en profondeur parce que là. Mais je suis content, il y a que des Fantomius et comme j'ai mon psy, je peux les one shot. Attends. Je suis un peu perdu. Ne nous mentons pas, c'est la perdance. C'est la perdance. Je défense. Je défense. Ah non, je suis du mauvais côté de la force. C'est bizarre cette phrase. Voyager jusqu'au tourbillon pour rester bloqué dans une grotte de merde. Avec son flash, il l'a annulé. Ta gueule. C'est la perdance. Oh merde! Putain, je suis de retour ici.
Non! Non! En fait, ça sert à rien, peu importe la grotte où je vais, les quatre mènent au même, en fait. Je suis de retour dans la toute première où je suis rentré tout à l'heure. Ah, d'accord, donc en fait, je suis de l'autre côté de la force, là. Ok. Alors, je fais des tours depuis tout à l'heure, je suis désolé. Oh, ce vieux gameplay que je suis en train mais de faire. Mais moi, c'est pire, hein. Mec, moi, je suis perdu dans les grottes, c'est pire. Hein. C'est là qu'il faut que je passe. Alors, attends, tout à l'heure, j'ai pris cette échelle. Ah, j'ai pas le choix, en fait. J'ai que ça. Y'a que ça. Ma, que c'est compliqué. Il fait exactement... Le Fantominus, il fait le cri de Nosferatu. C'est vrai, ça? Oui. Après, en vrai, en pixel, c'est pas évident, parce qu'ils font tous à peu près les mêmes bruits. Y'a que Pikachu, je crois, qui fait un non, bruit de Fantominus, il doit faire un... Je sais pas quoi. Et je crois que Evoli aussi, dans les dernières versions, c'est le deuxième Pokémon qui fait des bruits, des vrais bruits. Oui, c'est comme Pikachu. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Par le pouvoir du comte de couilles. Le quoi? Le comte de couilles. Ah, d'accord. Parce qu'il a deux couilles. Sinon j'aurais dit par le pouvoir c'est du comte de couilles. C'est comme sa fille, Redo couilles. Redo. Je n'ai pas ri. C'est pas vrai. Attends, je sais pas comment aller là. Attends, je me suis perdu violent là. Attends quoi? Je me suis perdu violent. Ok, faut arriver en haut. Mais comment on fait ça? Non, je me suis... Attends, je me suis planté à ce point. Ah bah non, bah en fait, je me suis fait baise. D'accord. Bah moi, je me suis fait baise. Ok. Il faut que je retourne en ville. Ok, je sais. Faut que j'aille racheter des repousses. Ok, j'ai compris comment on passe. Et bah moi, j'ai pas le choix, faut bonsoir. Que je refasse le gros tour. Et merci bonsoir, à celui qui m'a offert un abonnement, c'est adorable. Bah alors, c'est soit Morse, soit Fufu, soit... C'était qui Brice. Soit Brice. Qu'on appelle aussi CB dans le game. Non, mais hier, il y a eu un craquage celui qu'on appelle Savonnette. Celui, c'est ça. À qui la carte glisse beaucoup trop souvent. Il se lave jamais les mains, il garde tout le temps du savon sur lui. Et ensuite, ça finit toujours en steak. Ouais. Est-ce que je me suis TP dans la seule ville où il n'y a pas de magasin? Ma vie. C'est l'histoire de ta vie. Ma vie. Non, mais mec, parce que attends, toi t'es toujours dedans. Hein. Moi, il faut que j'aille rechercher des repousses. Des repousses? Alors, pourquoi tu n'utilises pas de repousses, toi? Pourquoi faire? Bah, la question, c'est pourquoi pas? Bah, comme ça, vu que toi, tu mets du temps, moi, je fais des combats. Oui, mais techniquement, on met tous les deux autant de temps. Non, moi, ça va, j'aurais fini depuis bien longtemps. Mais je me suis TP, pourquoi ma manette a la difficulté? Je me mets à ton niveau. Alors, par contre, si ma manette, elle se met à couper, pour couper, ça va pas le faire. Parce que là, j'évite un maximum les gestuels pour éviter que le câble déconnecte la manette. Mais si on est sur une coupure de type coupage, ça ne va pas le faire. Bah écoute, on part sur 10 max repousses. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ras le fiac. Et puis là, je vais devoir encore faire trompette. Pour retourner jusqu'au tour du là. Et une fois sur place là-bas, on doit encore se faire le défi de qui réussira à capturer le Pokémon légendaire avant l'autre. D'ailleurs, tu as ton Psy qui va passer niveau 38. Oui. C'était voulu, non? Oui. Ah, belle action du joueur français. Ça y est, on est dans. Alors. Moi, c'est bon, j'ai compris. C'est par là. Ça y est, tu y arrives? Ensuite, c'est par là. Ensuite, c'est par et là. Regarde de s'en sortir. C'est par là. Tac, tac. Et il faut choisir le bon côté. J'ai raté. Super. Alors, en vrai... Attends. Parce que j'ai essayé toutes les îles sauf en haut à droite. Mario. Donc je... Non, ça c'est quand on capturera le légendaire. Mario. Tu feras la chanson des captures quand on y sera. Ah non, c'est nul. Putain, s'ils font, en fait, ça te fait passer dans un sens unique. Bah, ça te fait passer dans un sens unique. Je pensais pas qu'il allait me faire faire... Je pensais qu'il allait me dire, vas-y, fais ta vie, en fait. En fait, ton Pokémon, il utilise toutes ses forces pour passer. C'est bon. Mario. Aïe, 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 aïe. Putain, je les aurais toutes faites. Ok, donc là, c'est à droite. À droite, à droite. Veux-tu que je te spoil le semain pour Lugia? Non, non, merci. Non, merci. Je vous demanderai, vous inquiétez pas, de toute façon, si je suis en panique. Parce que d'une certaine manière, ça me fait rire aussi. Alors fais gaffe au micro parce que plus tu le bouges, moins il me capte moi. Ok. Bah oui, part du principe aussi que je suis là. Je sais que des fois ça se remarque pas,
Je sais que je suis quelqu'un d'assez distant et invisible. Qu'est-ce que vous foutez sur mon stream? Sur mon stream. Ah, c'est vous le célèbre, comment vous appelez? L'histoire d'un Kazma? Ah, c'est oui, vous? Oui, c'est vous. Incroyable. Alors, j'avais une question, pourquoi l'histoire? Bah écoutez, ça remonte à quand j'étais tout jeune. Vous aviez des choses à raconter? Oui. Ok, donc nouvelle route, c'est la première fois que je passe par là. Donc là, on est sur de la nouveauté. On y croit. On y croit. Ah, le max repousse. Ne repousse plus. On n'y croit plus. Total soin. Total soin. On est sur une échelle qu'on a encore jamais prise. Ah, je crois qu'on avance. C'est quoi ça? Je crois qu'en fait, sur les quatre grottes... Il y a des genres de TP là. Il oh y avait une qui était claquée. J'ai pété un câble. Mais non. Tout de suite. Oh, il y a un chauve. Ah merde! Attends, je crois que j'ai trouvé. Oui, c'est là. Il y a le chauve. Hein. Parle au chauve. Qu'est-ce qu'il dit, chauve? Oh putain, ça veut dire que j'ai même pas commencé l'épreuve! Non, non, toi, tu viens d'arriver. Ah! Mais c'est... Ah, tu l'as enfin trouvé. Je t'en prie, passe. L'argentelle. Eh bah, tip-top, moumoute, casse-croûte. Y'a quoi tout en bas? Les gars, en fait, on n'avait pas commencé l'épreuve. Non, mais attends, mais y'a... What? Ah d'accord, mais ça sert à rien en fait. Eh ben allons-y. Hop. Hein? What? What? Là, lui c'est giga rapide en vrai. Mais je crois que c'est ça en BG. Hein? Genre t'as pas d'épreuve! Non mais en fait on dirait surtout... Tu te fous de ma gueule! C'est pas l'endroit où on va trouver Suicune ça? Parce qu'il y a personne. J'ai peur de déclencher un truc là. Tu penses j'y vais? Bah tu dois surfer. Ouais mais genre la première porte que je prends c'est la bonne, ça me paraît bizarre. Attends, je vais quand même aller voir l'autre porte. Quelqu'un peut me dire en attendant... Non, me dites pas, niquez-vous. Pardon. Non mais c'est par là. Oui mais attends, il y a une autre porte, il y avait plein de Pokéball à récupérer. Toi t'es perdu, je vais en profiter. Hein. Wouah. Incroyable, la vue est folle. C'est joli. Super bonbon. Ok bah je suis arrivé. Non je suis bonbon. Je suis mort, t'avais même pas remarqué. Pour remarquer quoi? Même pas remarqué que j'étais arrivé? Attends. Comment on accède à celui-là? Lequel? Celui-là, non? Ça a pas l'air possible. Bah, en fait, on dirait qu'il faudrait que tu tombes là. Tu peux pas tomber, y'a pas des trous chez toi? Un bail comme ça? Ouais, t'as raison. Merci. Ah putain, j'avais pas vu, t'avais une rampe vers le bas. Ouais. Bien joué. Tout ça pour une Pokéball, mais tout de même. Une pépite. Que dis-je? Je n'avais pas remarqué que je n'avais pas commencé l'épreuve. Bah comment tu voulais que je m'en rende compte? Quand t'es sûr de la découverte? Il n'y avait pas de chauve. Bah ouais, mais... Moi j'ai eu un chauve, il a fait... Oui, mais toi c'était à côté d'une ville. Moi c'est dans un trou perdu. Bah attendez, il y a un chauve quand même. Je t'attends depuis 4 mois. Pas, mais je t'attends. Jeu différent, ambiance différente. Bah, j'étais prêt. Le mec, ça fait 5 mois, il t'attend. C'est ça. Yeah. Au début, il avait des cheveux. Et il était pas moine. Il était pas moine. Au départ, le gars, il est venu. Il était thérapeute. Il était pas encore moine à ce moment-là. Il a perdu son métier, ses cheveux, sa passion, sa famille. Ah, le Covid est passé par là. Hein. Et du coup, tu connais ta route, là? Je sais pas, non. Parce que t'as l'air toujours perdu, toi. Vas-y, fais sûr. Mais non, je t'attends pour le combat. Mais ça se trouve, t'as des énigmes de ouf. Non, en vrai, vu la zone, non. Regarde, vérifie. Non, parce que j'ai envie qu'on ait l'introduction en même temps. Ce sera stylé. La méthode que t'aies aucune énigme, ça se fait pas, quoi, pour moi. Bah, bon, excuse-moi, il y avait 4 îles. Déjà, de base, il fallait se retrouver dans les 4 trucs. J'avais l'épreuve avant d'arriver, moi. Moi, je l'avais avant d'arriver. Mec, ça fait 20 minutes, je galère déjà. 15 minutes. N'exagérons rien. Moi, j'avais l'épreuve avant de trouver le chauve. Moi, l'épreuve, c'était de trouver le chauve. Toi, une fois que t'avais le chauve, t'avais l'épreuve. C'est ça la différence. Écoute, nous, on va apprendre les règles du bouffe-ball. Carrément ? Ouais. Donc, le bouffe-ball par deux équipes de 5, si je me rappelle bien. Chaque joueur possède une capacité propre.
Donc t'as les super chaussures qui te permettent d'aller super vite. Tu as le bouclier qui permet de tout défendre avec une charge ultime. Et tu as, je crois, un autre truc encore, un super gant. Je me rappelle que quand tu pouvais, à un moment, tu pouvais jouer au truc des héliotropes. Et genre, tu pouvais jouer au Wolfball. Stylé. T'avais un truc sur Launcher. T'avais un jeu sur Launcher. Sur Launcher. Et ça débloquait des trucs dans Dofus. Des pam, genre pam, des tenues pam, et pam, tout. Pam, pam. Olé, oula. C'est là. Prune cru. Oh, je pense que t'es bientôt arrivé là. Oula, oui, ouh, oui. Ouh, ça ressemble à une dernière ligne droite, ça. Pour réussir votre épreuve, vous devez trouver le chauve. Moi, je devais trouver le chauve. Lui, il l'avait déjà, le chauve. Youhou. Ça aurait pu être marrant que ma zone elle bug et que je me fasse Lugia qui fait c'est qui arrive en bugant. Erreur 404. Vous avez capturé Erreur 404. Je crois que t'es arrivé. Non. Ah. Ça, c'est les dernières planches de la fin. Ça. Si, c'est obligé. Oh oui. Oh save. On va déclencher les hostilités ensemble. Putain, mais regardez lui. Lui, il a les 5 nanas, il a un vrai bail, il a une épreuve de force et tout machin. La destinée mes couilles sur son front. Mais toi aussi, t'as les meufs. Non, moi j'ai pas. Avance, je suis sûr, t'as des épreuves. Non, moi je vais. Vas-y, avance. Non, mais. Avance. Non. Avance. Non. Avance. Non. Avance. Bon, chacun son tour. Ok. Pierre, Pépé, Ciseaux pour savoir qui commence. Ok, 3. Attends. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné. Oui, mais on le fait en une manche ou en 3 ou bon, en 2. J'ai gagné, allez, Wouah, il est pas joueur, c'est gagné. Un délire. Tu vas voir, j'ai zéro épreuve, juste le gars. Allez, fais tes épreuves. Mais là. Quelle épreuve. Voilà, fini. C'était bien. Merci à tous. Je fais quoi? Je sais pas, c'est pour ça que je t'ai dit d'aller. Je fais quoi, putain? C'est pas ici. Mais j'ai que deux chemins, ça peut être que là. Gros loser. Qu'est-ce que tu racontes? Parler avec toi, c'est régresser. Oui. Vie. Par contre, j'aimerais bien récupérer tous les objets qu'il y a. Tu les vends en bas. Eh oh. Oh putain, j'avoue. Eh les gonzes. Ok. Croisez-en vous. Croisez les doigts de pied. Croisez les anus. Croisez les glands. Croisez les. Sakura vous a envoyé un nude sur votre Pokématos. Quoi? Je sais pas, il y en a une qui s'appelle Sakura. Ah, mais non. Elles sont 6. Oh! Ok, elles sont là. Je t'avais dit, c'était un bug. Non, c'était pas un bug, c'est juste j'avais pas la bonne save. J'ai dû. Vu que c'est le vieux qui donne l'aile, j'ai pris la save juste avant d'affronter les danseuses. Ok. Donc en fait, j'ai juste jamais affronté les danseuses. Et donc, on a jamais eu ce passage de la destinée. Donc, pierre, papier, ciseau. Pierre, papier, ciseau. Tu passes en prompt. Ok. Ah, je suis content! Ah, bordel! T'as savé? Oui. Et bah, go. Faut que tu cliques sur mon écran. Quoi? Encore? Oui. Putain, t'as vraiment la version de merde. Mais. Et en plus, tu sais pas marcher. C'est exact. C'est ici que nous allons accueillir. Oh oh. Non, Lugia. Et Lugia. Et Lugia. Quand le glas transparent que nous t'avons confié entrera en résonance avec cette danse que nous avons répétée chaque jour pour ce moment. Alors, oh oh, ou Lugia, qui dort dans la cascade ou dans le ciel, reviendra voler parmi nous ou réapparaîtra à nos yeux. J'aime bien. Oh là, oh là. Oh là, oh là, il y a trop de magie là! Oh putain! Avant de tous prendre une couleur à la Power Rangers, on n'est pas prêt. Ah, j'adore! Ah, j'aime ça! Ouais, c'est ça, oh, cascade et Lugia ciel, c'est exactement ça. C'est joli. Bon, c'est bien, au moins on n'a pas cassé le jeu. Ah, moi je suis sur une pagode, c'est plus stylé. Je suis dans une grotte magique et mystique. Bon, j'avoue, ta pagode elle pète le soc. Moi, les grottes, on en a vu, on en a revu. Toi, t'as une putain de pagode, j'avoue, c'est stylé. C'est un putain de temple. Oh, j'avoue, on va avoir deux introductions différentes. Oh, il arrive en 3D! Incroyable! Incroyable! Moi, la cascade elle va s'ouvrir en deux, il va faire Moïse. Ah, moi il a la bourre. Moi il se prépare, il se remaquille un peu. Oh il gronde. Oh il gronde le con. Oh il gronde. Waouh, c'est trop. Waouh, comme ça. Attends-moi pour la suite. Hein. Pouah, regarde. Double introduction en 3D. Incroyable. Après s'il lance le combat, go. Hein. Oh, c'est tellement stylé. Ouais. Par contre, j'ai cru que le mien il avait freeze et moi il avait. Bon, j'avoue, l'entrée du tien, 1000 fois plus swag. C'est moi ou le mien il est plus gros? Non, ouais, il faut la même taille. Hein.
Bah en vrai, dans la vraie vie vraie, je crois que Lugia est plus gros. Tu sais que quand j'étais petit, j'avais un ensemble Lugia. Ah ouais? T'avais un costume Lugia? Non, j'avais un ensemble genre de survêtements. Stylé de ouf. Okay. Méga stylé de ouf. Non, j'entends la photo. Incroyable. Faut que tu me montres. Ah mais je veux voir ça. Internet veut voir ça. Il est fou lui. Ça va devenir ma pépé Twitter. De ouf. Ok. À moi ou à toi? Bah vas-y. Ok. Ces êtres ne sont nul autre que Lugia et Ho-Oh, protecteurs des flots et des cieux. Vénérés depuis des temps reculés. Innombrables furent ceux qui tenèrent en vain d'arriver jusque-là. Mais votre cœur, à vous deux, a résonné avec le glace tempête et le glace transparent. Et ils sont venus. Regardez, jeunes gens. Il semble qu'ils attendaient votre venue d'un être comme vous. Ah, d'accord. Moi, il est en mode, vas-y, bouge ta race, fais-toi même le plat. Le save, là. Tu as raison de saver. Nous vous rappelons que ce combat rediffusé sera aussi pour nous un défi personnel, puisque ceux qui le capturent en premier gagnent ce défi et offrent le repas au prochain. Hein ? Oui. Internet est témoin. Oh, moi, j'aime bien mettre des paris là-dessus. On l'a fait pour Léviator. Léviator, il va fumer. Léviator, il arrive et il fait Pokéball. Il n'a pas eu le temps de comprendre. Alors, chez vous, vous préférez Lugia ou Ho-Oh? Moi, j'avoue, Ho-Oh, il pète le swag. J'avoue, Ho-Oh, il a un truc monstrueux. Lugia, j'aime beaucoup, mais c'est différent. C'est pas pareil. Ah non, Master Ball, ça ne compte pas. Master Ball, ça ne compte pas. Par contre, je m'en doutais. Il joue la Pokéball le premier tour. Je m'en doutais, tu sais quoi, je vais même faire pareil. Juste pour le beau jeu. Oh, il a même pas tenu un tour. Hop, bon, on va voir. Moi, je parie, tiens au moins un. Nique ta mère. Ok, bah c'est parti. Hein. Bah, au moins un, ça se fait. Hein. Tu sais que ça joue beaucoup sur l'aléatoire aussi. Hein. Wow. Il utilise feu sacré, peut-être le swag. Du coup, moi, c'est un Pokémon aux ténèbres. Il m'a one-shot. Les chiens légendaires. Moi aussi, je préfère les chiens légendaires. Eh, rappelez-vous, j'ai Raikou, hein. Grâce à la musique de Mario. Putain, t'as pas chanté. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les capturer. Je chante pas. Ah, si tu chantes Mario, je chante Luigi. Mario. Luigi. Je sais pas si vous avez vu ma pépé Twitter, mais elle est magnifique. On s'en fout, non? On est d'accord? Enfin, c'est pas pour être méchant, mais en vrai, bon. Où en sommes-nous? Oh putain, j'ai plus de vie. Ah merde. Cage éclair. Danse plus. Est-ce que je peux te para? Je te para. Je te para. Fils d'enculé. Voilà. Objectif. À moi le resto. Quoi, à moi le resto? Oh le mec! Il attaque en sommeil! Il attaque en sommeil! Ça se fait pas! Nique-toi! À moi le resto! À moi le resto! Le mec il est en mode. À moi le... T'as fait le mec un peu quand même. T'aurais pu assumer derrière, t'as pas assumé. Oh il bourre! Il bourre! Non, vous choisissez pas le resto. Non, c'est entre nous, ça va. Vous choisissez pas le resto. Non, t'es un enculé. Bâtard! J'ai même pas joué! Mais vas-y! J'ai même pas joué! Mec, il a mis 3 Pokéballs! Vas-y, j'en ai ras le fion! Allez, le resto pour Bibi! C'est parti! Ta mère, je paye que dalle. Quoi? Je paye que dalle. Quoi? La dernière fois, je déconne. Oh oui, je sais. Putain, le mec il m'insulterait même mort. Le mec il va me frapper parce que je lui dis non. Non, mais tranquille. Quoi? Tranquille. Les émotions, elles se battent en duel hein, quand même chez lui. Bon, par contre, moi, est-ce que je peux avoir la chance d'essayer de capturer parce que j'ai pas eu l'occasion hein? Bah, attends. Ouais, mais parce que depuis tout à l'heure, genre, je sais pas, il m'a même pas laissé l'occasion. Mec, j'ai lancé une Pokéball depuis le début. J'ai pas eu l'occasion. Mais vas-y, il a sommeil aussi, lui. Putain, en plus, je l'ai eu à la deuxième. Non, tu l'as pas eu. Quoi? Mais tu peux pas louper à la troisième. Si, ça fait... Depuis quand? Ah non, faut que ça fasse 3 et le plic. Ah, pour moi, dès que t'avais le 3, c'était gagné. Ah bah là, non. Ah d'accord. Ah bah je... Non, pour de vrai. J'ai toujours cru que 3, pour moi, ça voulait dire gagner. Ah merde! Donc il faut 3 plus le clic. Clic. Comme quand tu mets l'essence à fond. Clic. Bien vu. Aucune fierté. Quoi? Ah bah d'accord. Moi, aucune fierté, on en est là. Okay, on en merci. Est là. Merci. Alors là. On est tombé bien bas. Il passe pour un prince et moi pour une poubelle. Je suis fan. Une poubelle. Ah bah je... Super. Je suis un raccoon. Je suis un putain de raton laveur. Je suis un ragondin. Un ragondin. Je suis un putain de ragondin.
Le mec, il est là, il expose son trophée. Voyez comme mon Pokémon arc-en-ciel feu vol 3m8, poids 199 kg. Oh le con, faut faire un régime. J'avoue, il est lourd. Il est lourd. Il fait 200 kg, la belle bête. Dis donc. Moi, je pense que le gars, il est plus lourd quand même. C'est parce que pour moi, le gars, c'est il est plus. C'est du bon pour moi, poulet, le gars, il est plus gros. Imagine le graille. Ah, c'est du bon poulet. Imagine le graille après. C'est un dieu le truc. Il en fait l'emblème du KFC. Tu me diras, il y a cette même logique incroyable qui dit que. Putain, mais attends, par contre, il one-shot tous mes Pokémon. Hein. C'est le OOFC. J'aime cette blague. J'aime le OOFC. Moi, il graille tous mes Pokémon. Et moi, il a pas le time. Moi, il est là, il me fait. Non, pas envie. Devinez qui est le Pokémon le plus lourd, Wailord. Même pas, Kyogre, je pense. C'est pas. Ouais, c'est pas Wailord. Non, moi je pense Kyogre. C'est Wailord. Enfin, ouais, Wailord est une baleine, mais en vrai, je pense que c'est une arnaque. Je pense c'est t'en as un. Baleine. Lourd. Il est lourd, vénère. C'est là, c'est Celebi. Je te jure. Et Sean va perdre toute son équipe. Non, mais attends, mais moi j'ai plus de chance là. Tu le captures quand? Mais je vous emmerde. Mais c'est pas grave, j'ai ta Master Ball. Non, non, bah non, j'ai pas envie. Mec, il y a encore X Pokémon légendaire derrière. Oh, respecte-moi. Je suis dégoûté parce que j'ai eu le 1, 2, 3, nique ta mère. Putain. 1. Mais vas-y. C'est la Skumoun. C'est quoi? La Skumoun. La quoi? La Skumoun. La Skumoun. C'est quoi la Skumoun? C'est genre la malchance. Ah d'accord. Ouais, il ramène ses genoux de maudits chez moi. Ses genoux de maudits. Vas-y, tiens, je te mords le doigt de pied, moi. Culé. Ah, c'est super efficace, super. J'ai senti de l'efficacité dans cette attaque. Et bah, j'ai plus de Pokémon. Je suis très content. Je suis très content, mec, il a Hydrocanon, il a déglingué tous mes Pokémon. Oh, waouh. Eh ben, c'est un plaisir toujours de mon côté. Hein. C'est le plaisir est toujours présent. En fait, là maintenant, je suis en panique parce que je me dis, si je le capture pas là, il pète mon équipe. Il te dit, t'as loupé Lugia. Pourquoi c'est qui Cosmovum? Je connais pas ce Pokémon. Et bah. Ça devait être un truc dans les dernières gènes. Un truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu peux voir? C'est pas un Pokémon ça, c'est une erreur. Oh, c'est une erreur. Putain, c'est quoi ce machin? C'est nouveau la lune. Soleil et lune. C'est dans Soleil et lune ça? Ouais, mais moi j'esquive un peu cette version. En vrai, si tu veux la faire avec moi, on peut la faire. On les fera, c'est pas ça, parce que même moi je vais être en mode découverte, c'est Alola. Ouais. Oui, oui, même moi j'ai envie de la faire. Est-ce qu'on fait Ultra Soleil et Ultra Lune ou on fait Lune et Soleil? Je sais pas, c'est quoi la différence? C'est comme blanc et blanc. Je sais pas, t'as des trucs en plus sur Ultra Soleil et Ultra Lune. Je sais pas. En vrai, on peut. L'histoire est pas la même. Je crois que l'histoire est pas la même, mais je suis pas sûr. Je pensais que Pika était son dernier. Ah non, 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 non. Eh, me mettez pas un coup de pression en mode t'as perdu, c'est une grosse merde. Merde. Voilà, ça va vous? Mario. Voilà, 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 voilà. Le mec il est arrivé, il a mis 3 Pokéballs. Et moi je suis en train de me faire chier dessus, hein. Ça l'histoire. 2. J'immortalise cet instant dans une story Instagram. Il m'énerve. Il m'énerve parce que t'as don de faire les choses Instagram en horizontal. Genre, qui fait ça? Comme ça, on voit l'écran. Ouais, moi je sais pas, j'aurais fait la verticale. Oh merde! J'ai peur. Non, attends. Voilà, j'ai bien retranscrit ton seum. Ah bon? Mais regarde ton visage. C'est le visage du seum. Tu trouves? On dirait un mec plutôt fier, moi je trouve. Fier d'être dans le seum. Bah, je sais pas, j'ai l'air plutôt content de moi, je trouve. Master Ball. Mais arrêtez avec la Master Ball. Mais il chante pas, c'est pour ça que j'arrive pas à capturer mon Mario. Pokémon. Mario. Bah chante. Mario. Voilà, celle-là, ça va pas marcher. Mario. Mieux que ça. Mario. Vas-y, continue. Continue. Mario. Continue. Continue. Mario. Bah oui, tu chantes mal aussi. Ouais, mais t'es nul. Mais mec, il fait Mario. T'as pas un Pokémon Mario avec la poudre de dos? Ou hypnose. Tu sais ce que je souhaite là? En fait, là, on a le cas qu'on a depuis le début du let's play. C'est le mec qui joue strat, le mec qui joue pas strat. Non, non, non. Si tu la refais dans l'autre sens, t'as galéré la première partie et moi la deuxième. C'est vrai.
Moi, tu sais ce que j'espère, c'est que tu vas bien en chier à la Ligue Pokémon. Non, bah je vais pas en chier du tout. Peut-être sur le type dragon avec Peter, parce que moi aussi vénère. Je vais en chier, moi aussi je vais en chier. Peter est plutôt vénère, mais sinon le reste. En vrai, on va en chier tous les deux. Hein. Regarde combien de pièces de Cosmo Voom. On s'en fout, non? Vive attaque. J'attaque, t'es un raton laveur. Salut Brice. Ah, t'as dit salut Brice, j'ai compris sale Brice. Non, j'ai dit salut Brice. Il m'a aéroblasté. Je suis mort. Ah, même pas. J'ai peur d'utiliser une attaque feu et de but. Il te reste des Pokémon derrière ou pas? Il m'en reste un. Il m'en reste un, mais je crois que je vais. Je crois lance que... une Pokéball classique. Pourquoi? Pas, oh, peut-être ça marche. On est pas à ça près. Hein. Mario! 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 Luigi! Voilà, 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 voilà. C'est marrant parce que en ce moment, en fait, c'est moi qui rends les VOD toutes chiantes parce que toutes mes faces sont à rallonge. Mais je le fais pas exprès, moi. Je sais pas, ça joue aussi sur le hasard. Hein. Je sais pas, genre, j'ai pas de bol. Oui, quand tu l'endors, tu démultiplies tes chances. Genre violent. Mais putain, j'ai pas de bol aussi. Oh, tu crois que si je le flash la gueule, il va me dire, ah, mes yeux. Il a dit, comment ça va, CB? Comment ça va, CB? Damn. Pauvre Brice. Il est réduit à l'état d'une carte bleue. Et moi à l'état d'une loutre qui arrive pas à capturer un serpent. Mais merde. Une loutre. Oh non! Bah j'ai perdu. Game over. Si ça intéresse quelqu'un, il pèse 999,9 kg. Oui, mais ça fait 4 fois que tu le dis en fait. On a compris. Ouais, c'est ça. Tu l'as déjà dit. On l'a lu ton commentaire. Ouais, de ouf. En fait, là, il y a 13. Oui! Il y a 13 viewers, on lit tous les commentaires. Oui! Heureusement qu'il aura 5 PV à ton mouette-mouette. Il est résistant. Mais c'est surtout qu'il est resté que lui. Il est pas mort d'hydrocution, c'est cool. Ça mérite un screen Twitter. C'est vrai. Mais screen le stream, au pire. Comme ça, les gens ils voient la qualité de l'overlay. Mince, il l'a eu! Du coup, on le fera quand le live jacuzzi? Je sais pas, faut qu'on s'organise. Ah oui, déjà, nous, il faut qu'on s'organise. Juste s'il est prévu. Eh bah, vas-y, on peut y aller. Ok. Oh oh. Moi, je peux pas faire cette blague. Je vais pas arriver, je vais faire dire Luca. Je peux pas faire ça. Bon, bah voilà, hein. C'était bien. C'est first try. Bon, moi, j'ai trouvé mon Pokémon vol. C'est moi, genre le mec. Bombé. J'ai trouvé mon Pokémon vol, c'est bon. J'aime pas moi mettre les légendaires dans mon équipe. Ah, mais... je sais pas, c'est un truc que tu te sens pas. À part Dialga. Tu te sens pas personnel. Ah, toi, ils t'ont parlé? Non seulement tu as appelé OO jusqu'ici, mais de surcroît, tu as réussi à faire tienne sa puissance. C'est absolument admirable, tu n'as plus rien à apprendre de nous. Que le bonheur t'accompagne jusqu'au bout de ton voyage. Ouais, se sont juste cassés. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Ah, c'est toi qui leur parle, d'accord. Si tu n'es si t'es pas, croise à nouveau les siens. Moi, j'ai le seum, je dégage. Voilà, corde sortie, Tayo. Putain. Mais du coup, maintenant, il nous reste juste la ligue. Il nous reste juste la ligue. Mm-hmm. Eh ben, bah parfait, toute mon équipe est morte. Mon équipe est morte, mais je peux utiliser un Maccabée pour utiliser vol. Et ça, c'est beau. Là, j'utilise le corps. Oh, lance-flamme. Le corps de Roucoups pour voler. Je prends ses ailes de Maccabée et je le force dessus. Lance-flamme, Putain, il a pas un lance-flamme. Il est grave bien, toi. Ah bah, Flamèche. On enlève Flamèche, mais lance-flamme. Ah ouais, de ouf. Il reste la route victoire. Oui, pardon. Quand je parlais de League Pokémon, je parlais de route victoire aussi. Pas de problème. Donc ouais, prochain objectif, route victoire. Par contre, et surtout, voilà, j'aurais bien fait évoluer mon Caninos en Arcanin, quoi. Mais de toute façon, mec, entre la route victoire et la Ligue, on va devoir faire une coupure entraînement. Hein. Bah, en fait, c'est pas une coupure entraînement, c'est juste qu'il me faut une pierre feu. Et il faut une pierre plante pour mon petit plan aussi. Il me semble que tout, on le croise tout dans la route victoire. Ah, okay. Il me semble de souvenir que toutes les pierres un peu type comme ça. Ah, je confonds peut-être avec diamant et perle. Ouais, peut-être. Peut-être, parce que je me rappelle d'une route victoire où tu croisais toutes les pierres élémentaires. Tu es nul, Kazma, d'utiliser un corps pour faire vol. C'est glauque d'utiliser un cadavre. Parce que j'ai utilisé le Maccabée de Roucoups pour voler. Mais c'est dégueulasse. Bah ouais, mais il avait qu'à pas être... Salut, c'est Célesta. Marie, elle a l'odeur d'une vieille serpillère. T'as vu encore avec cette putain de serpillère. Putain. Mais ta rage, j'en ai rien à foutre que tu m'appelles pour me dire que ton mari, il sent la serpillère. Nettoie-le avec du savon, bordel.
Elle revient te voir 2 mois après pour te dire la même chose, c'est fou. Rookoops grandit niveau 35. Rookoops grandit niveau 35. C'est pas il évolue, c'est il grandit. Il grandit. Dès qu'il devient niveau 35, il prend conscience de la vie. Il se regarde, il fait wow, c'est en couleur en fait. Je suis pas daltonien. On vit pas en noir et blanc. On vit pas en noir et blanc. Et là, il fait la photosynthèse. Là, aucun rapport. Non, mais t'imagines, jusqu'au niveau 34. Niveau 35. La philosophie, les mathématiques. T'as jamais vu ce meme où t'as des mecs, ils te disent l'invention de temps, c'est en telle année, et ils disent tous les gens avant ça, comment ils faisaient. Tu vois ce que je veux dire? T'as jamais vu ça sur Instagram? Ça me bute de rire. Et du coup, ouais, faut aller tout normalement à droite. Bah écoute YouTube, comme d'habitude, une VOD de la catastrophe. Hein. Je veux pas dire qu'on s'organisera mieux après parce que c'est faux. Hein. Tu nous connais, tu sais très bien comment ça fonctionne, surtout moi. Faux! Tout à fait. On se retrouve prochainement pour la route victoire. Est-ce que ce sera une VOD intégrale sur la route victoire? Je pense que oui. Dans le cas où ça se passe bien, bah tant mieux. Dans le cas où ça se passe mal, bah merde. Voilà. Bisous à tous et à très vite pour la suite sur Pokémon Heart Gold Soul Silver en compagnie de lui. Et lui. Ah, on s'est mis le doigt dans l'oreille, on est en train de se pénétrer. Ah, c'est trop bien. C'est dégueulasse. Oh.